Alors nous sommes le samedi 15 octobre 2016, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Claude-Alain Marthe, maquettiste, lausannois. Je pense que vous avez un petit accent. Oui, ça s'entend, il paraît. Comparé à tous ceux qui sont autour de nous, je crois qu'on ne peut pas renier notre accent vaudois. Donc vous venez de Suisse ? Voilà, tout à fait, oui. Ce qui me fait bien sûr arrêter sur votre stand, je vous ai dit qu'à titre personnel, je suis bien sûr allé chez vous, que ce soit Montreux, que ce soit Genève, et bien sûr, on en garde, comme je vous l'ai dit avant qu'on fasse cette interview, un excellent souvenir. Ça donne l'occasion de se souvenir de ce magnifique endroit, notamment Montreux. Alors vous êtes de Lausanne, ça ? Lausanne, oui, tout à fait. Une vingtaine de kilomètres de Montreux. Parlez-moi de Lausanne d'abord. Lausanne, une très belle ville, capitale olympique, siège du musée olympique, du Comité olympique international, une magnifique cathédrale, la plus ancienne cathédrale construite hors de France. On est donc ailleurs, Maquette Expo 2016. Comment vous êtes arrivé ici ? Par l'intermédiaire du club Historia de Sion, avec lequel nous participons à leurs manifestations chaque année depuis 4-5 ans. Et nous avons fraternisé avec eux et c'est par l'intermédiaire de son président que nous avons pris contact ici et avons pu venir avec grand plaisir ailleurs. Il y a quelqu'un juste à côté de vous au niveau du stand là. Oui, tout à fait. C'est Jean-Daniel. On va parler bien sûr de hier, puisqu'on est donc à Maquette Expo 2016. Vous découvrez à la fois l'endroit, alors vous êtes ici au Forum du Casino, ailleurs, la manifestation, puisque c'est la première fois que vous venez. Vous trouvez ça comment ? Magnifique. Par la grandeur, par l'enthousiasme des gens, leur sympathie, et puis la qualité du matériel qui est présenté. Au niveau de l'exposition et au niveau des choses qui sont exposées, comment vous le ressentez en tant que maquettiste ? En tant que maquettiste, un niveau incroyable, au niveau qualité, c'est exceptionnel. Il faut le reconnaître. Et ceci dans tous les domaines, avions, blindés, bateaux, il y a des pièces vraiment magnifiques. On va parler bien sûr de votre venue ailleurs. Je pose systématiquement la question, comment vous avez été reçu ailleurs ? Alors très bien, on connaissait déjà un peu le président de la manifestation puisqu'il est venu en Suisse romande exposer dans diverses manifestations qu'il y a par chez nous. Ça c'est un scoop, alors oui, ça je ne savais pas. Oui, tout à fait, il est déjà venu, moi je l'ai déjà vu 3-4 fois dans les diverses expositions qu'il y a autour de chez nous. Déjà là, on avait pris contact, mais sans forcément demander pour venir ici, mais par sympathie, disons. En tant que maquettiste, on discute volontiers les uns avec les autres. Le courant passe très bien et c'est ce qui fait le charme de cette activité en dehors de l'aspect purement technique. C'est le partage qu'on a avec les autres maquettistes et le public aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier le public qui est un petit peu la cerise sur le gâteau de notre activité quand on peut échanger notre passion avec le public. Ça, c'est extraordinaire. Alors, vous me dites que vous avez vu les représentants de l'association maquettiste varoise là-haut en Suisse. Dites-moi où ? À Montreux et à Sion. Et donc, le contact a été pris et... Oui, tout à fait. Ça a tout de suite bien passé, comme c'est souvent le cas entre maquettistes, de toute façon. Alors, on redétermine. C'est, vous dit, c'est pas exactement une association. Non, c'est une amicale. C'est deux copains qui travaillent ensemble, passionnés de maquettes et d'avions en particulier. Et on a décidé un jour d'exposer nos créations, si on peut dire comme ça. Et pour se démarquer des autres, on a, avec une petite touche humoristique, on a décidé de fonder l'AMA, qui veut dire l'amicale maquette du musée de l'aviation, puisqu'on est les deux membres d'honneur du musée de l'aviation à Payerne. Il s'appelle comment le copain qu'on a justement pris en photo ? Il s'appelle François Thévaux. On a la photo et on a le nom, tout va bien. Et la personne qui est derrière vous ? Alors lui, c'est le président de Historia Sion, il s'appelle Jean-Daniel, mais je ne sais pas son nom de famille. Qui est juste derrière nous, puisque je rappelle, d'ailleurs je pense que ça s'entend, que nous sommes dans la salle du Forum du Casino. Ici, donc, on est sur votre stand, parce que j'ai trouvé que, en plus, c'était sympa, donc on est au milieu des exposants. Alors, qu'est-ce que vous avez amené ? Une trentaine d'avions. Ma spécialité, la Seconde Guerre mondiale. C'est dans cette période-là que je suis le plus à l'aise. De temps en temps, un avion plus moderne et tout à l'échelle 1/72. D'accord, je retiens le terme. Parmi les avions, est-ce qu'on peut avoir quelques noms ? Alors, vous avez une série de Ilyushin IL-2 Turmovik, l'avion le plus construit pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 36 000 exemplaires. Vous avez le Hawker Hurricane anglais, le fameux Lancaster des Dam Buster, la bombe qui a détruit des barrages en Allemagne. Un avion plus moderne, le Alvro Vulcan, extraordinaire, qui a fait sa dernière saison de meeting l'année passée. On a été le voir voler sur place en Angleterre. On l'a vu dans les James Bond d'ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. Une magnifique machine. Il y en a beaucoup, F-16, les avions japonais, hydravions Swordfish, Vickers Wellington.
recherche un petit sous-marin qui a, celui-là, coulé un sous-marin allemand à la fin de la guerre. J'aime bien varier dans mes constructions, pas faire seulement le même type d'avion. Ce que je recherche, c'est la diversité pour pouvoir progresser avec des difficultés techniques différentes. Quand vous montrez tout ce que vous faites, et au niveau de la Suisse, il y en a combien dans l'année des manifestations ? Nous, on fait en moyenne 4 à 5 manifestations par année. Ce qui permet de vous montrer, de prendre des contacts ? De montrer à plusieurs publics différents ce qu'on fait comme travail, notre passion. Alors, je rappelle que le Salon Maquette Expo, c'est bien sûr samedi et dimanche. Nous sommes là avec vous le samedi, donc bon salon puisqu'on vous voit le samedi matin. Il y aura donc la journée, il y aura, je pense, une remise des trophées, hein, puisque ça fait quand même la troisième fois que je viens, donc je connais à la fois l'endroit, la manifestation et surtout son déroulement. Content d'être là au final. Alors, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre hobby et j'encourage tous ceux qui vont écouter cette interview à venir voir ailleurs ce qu'on partage comme hobby et pourquoi pas, peut-être qu'on va, chez les jeunes, développer quelques vocations qu'on verra peut-être une fois leur construction. Et merci pour votre accueil aussi, pour tous les jeunes qui nous accueillent ici parce que c'est extraordinaire.